La Réunion poursuit sa révolution énergétique. L'île, qui importe aujourd'hui la majeure partie de son énergie, s'est fixée pour objectif d'atteindre son autonomie en 2030. Pour mieux contrôler sa facture énergétique et réduire son empreinte carbone, la Réunion s'est lancée dans un vaste projet. Climatiser des bâtiments du grand tertiaire, des communes de Saint-Denis et Sainte-Marie grâce aux eaux marines profondes. Une ressource naturelle, abondante et renouvelable. Cette technologie s'appelle SWAC, pour Sea Water Air Conditioning. Le principe est simple. L'eau de mer à 5 degrés est pompée à 1100 mètres de profondeur au large des côtes. Elle est ensuite acheminée par une canalisation offshore en polyéthylène haute densité de 6 km de long et 1,60 m de diamètre, construite pour résister aux effets de la houle. L'eau de mer arrive dans des échangeurs thermiques où elle va refroidir l'eau douce du réseau urbain pour climatiser l'air ambiant des bâtiments. Le centre hospitalier universitaire, la clinique Sainte-Clotilde, l'université, l'aéroport, des immeubles de bureaux, des centres commerciaux. Au total, plus de 50 bâtiments de grande taille vont ainsi bénéficier de ce tout nouveau réseau de climatisation conçu pour durer plus de 50 ans. L'avantage majeur du système, une économie d'électricité d'origine fossile de plus de 75% par rapport aux solutions de climatisation classiques. Par ailleurs, la climatisation par eau de mer va permettre d'éviter 600 000 tonnes de CO2 sur une période de 24 ans, soit chaque année l'équivalent des rejets en CO2 de 16 000 voitures. Évidemment, ce projet va créer des emplois au niveau local. Il sera utile pour toute l'économie de la Réunion. L'eau millénaire, puisée dans les profondeurs de l'océan, pourrait faire émerger une nouvelle filière d'avenir sur l'île. Cette eau très pure et très riche en nutriments pourra être utilisée pour des applications diverses, pisciculture, aquaculture, cosmétiques, thalassothérapie et même, après désalinisation, mise en bouteille de cette eau aux vertus antioxydantes. Ce projet a été initié en 2008 par les communes de Saint-Denis et Sainte-Marie et porté à maturité au sein du syndicat intercommunal Sidéo avec l'appui de l'État, la région Réunion et l'ADEME. Il est cofinancé par un fonds structurel européen. Climabis et Climespace, filiales d'Engie associées à la Caisse des dépôts, se sont vus confier la réalisation du projet et son exploitation pour 24 ans. Plus de 150 millions d'euros vont être investis, dont près de 50% seront dépensés au niveau local. Cette réalisation sera une première au niveau mondial par la dimension des ouvrages offshore et leur couplage à un réseau urbain dense et varié de plus de 23 km de long. Le projet SWAC s'inscrit parfaitement dans la transition énergétique et écologique engagée en France et en Europe. La mise en service est prévue dès 2017.